Bon, on peut dire ce qu'on veut, n'empêche qu'il est ultra badass Iron Man. Surtout quand tu sais qu'il a ouvert la voie aux Avengers. Oh, je suis d'accord avec vous, les gars. Un mec milliardaire, un homme des armes, qui veut après changer le monde, ça n'existe pas, ça. Je suis pas d'accord. Non, c'est pas possible dans la vraie vie, ça. Non, non, non. Bah, si tu crois ça, regarde cette vidéo. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va parler d'Iron Man. Et je précise pour toi, jeune fanatique de comics introuvable, on va s'attaquer à l'Iron Man tiré du film. Déjà parce que les personnages sont cool, et ensuite parce qu'il y a Scarlett Johansson. Et ça, ça fait deux raisons suffisantes. Il nous fait quoi là? Bah il brise le quatrième mur. Quoi? Non mais si tu sais pas, vaut mieux pas que tu parles. Vraiment. Anthony Edward Stark, ou Tony Stark, plus connu sous l'identité d'Iron Man, est un personnage créé par Stan Lee. Avant d'être le super-héros que nous connaissons tous, il est surtout un inventeur de génie et un milliardaire arrogant ayant fait fortune dans la vente d'armes toujours plus innovantes, révolutionnant régulièrement l'industrie de la guerre. Un marchand de mort quoi, tout se fait-il bien? Oui, mais ce qui nous intéresse vient après. Lors d'une démonstration faite à d'éventuels acheteurs consistant ni plus ni moins à montrer comment tuer de l'Afghan, le pauvre petit Tony va se faire enlever par de très vilains terroristes. Non mais des terroristes afghans, mais pas étant ton adversaire original. C'est de la merde. Mais s'ils avaient pu, ils les auraient fait coréens soviétiques, les méchants. That's how America does it. Certes, peu originaux, mais pour une fois, ils touchent le héros. Ils touchent mortellement le héros, allez pas vous faire des idées. Le pauvre petit Tony va alors se retrouver avec des éclats de shrapnel dans la poitrine, ce qui représente une menace directe pour son cœur. Et ça, ça va bien lui pourrir la vie. Gardez ça en tête, c'est important pour la suite. Il fabrique alors un exosquelette surarmé et réussit à s'échapper grâce à lui. De retour au pays, Tony va réaliser une profonde réflexion ainsi qu'une remise en question de soi. Il arrivera à la conclusion suivante. I want an American cheeseburger. Ouais. Mais surtout, il veut utiliser sa fortune et la technologie qu'il est capable de produire afin de rendre le monde meilleur et d'effacer ses erreurs passées. Cheeseburger first. Et c'est là que le personnage est improbable. Eh bien non, c'est là que la fiction rejoint la réalité. Mais pour comprendre cela, il faut remonter à la Suède du 19e siècle. Y'a moyen qu'on case un flashback ici? Fais-toi plaisir, mais personnellement j'ai pas de vidéo de la Suède qui date du 19e siècle. Ah ouais, pas con. Donc, troisième fils d'Emmanuel Nobel, Alfred Nobel, né le 21 octobre 1833 à Stockholm, et il mourra en 1896 à Sanremo, en Italie. Il a donné son nom à l'élément nobelium de numéro atomique 102, obtenu par bombardement du curium avec du carbone 13. C'est un métal radioactif. Tu pars beaucoup trop loin là. Bon, déjà, on va établir que c'était un génie. Le mec parlait le suédois, le russe, l'anglais, le français et l'allemand. Et comme dit le proverbe, la vie est trop courte pour apprendre l'allemand. Sauf si on est un génie ou un grand bavarois. Mais ses vrais talents sont la chimie et le commerce. Il entend parler de la nitroglycérine, découverte en 1847 par Sobrero. Il y voit une occasion de se faire un max de pognon. Mais voilà le petit problème. Une simple goutte de ce liquide. La conséquence directe est la mort de son frère cadet. La tristitude, c'est un peu de tristesse et de solitude. Et de quatre de ses collaborateurs en 1864 lors de l'explosion d'une de ses usines. À ce moment-là, on a déjà en commun le génie et le facteur Michael Bay. Nobel cherche donc à résoudre ce problème. Ses recherches aboutiront en 1867 à la création de la dynamite, qui garde les capacités explosives de la nitroglycérine, mais qui permet un transport en toute sécurité. En 1875, il dépose le brevet de la dynamite gomme. Ses trouvailles feront sa fortune. Le mec, il se fait du pognon en tuant des gens, bon, comme l'autre, mais il n'a pas décidé de changer le monde après une confrontation avec la mort. Je sais pas si tu en as conscience, mais tu nous offres de magnifiques transitions. C'est moins épique que d'être kidnappé par une bande armée. Mais Alfred a aussi soudainement réalisé que s'il venait à mourir, l'image qu'il laisserait au monde serait peu flatteuse.
Rien n'est plus dur pour un homme que de se rendre compte qu'il n'est que chair et sang, et non pas fait de fonte. S'il souhaite à tout jamais rester dans les mémoires, il lui faudra laisser une trace dans l'histoire. Ça y est, il a officiellement pété un câble. Reprenons. En 1888, Ludwig, le frère d'Alfred, meurt à Cannes. C'est comme de la tristitude plus rien. Un journaliste français se méprend sur l'identité du défunt et titre « Le marchand de mort est mort ». Quelle bande de blaireaux annonçait la mort de quelqu'un sans vérifier. Heureusement qu'aujourd'hui c'est impassable avec de vrais journalistes compétents. Ah non, là tu te trompes. Hein. Elle est bien morte, hein, la mère de Branly. Y'a aucune preuve, on la voit pas mourir à l'écran. Arrête de te voiler la face, regarde la vérité. Elle est morte et elle a fini dans un pâté au cèpe. Non, tu mens, c'est pas possible, tu mens. Bon, quoi qu'il en soit, l'annonce de sa propre mort est probablement ce qui a poussé Alfred à rédiger ses souhaits dans son testament. Le capital, investi dans des placements sûrs par mes exécuteurs testamentaires, devra constituer un fonds, dont les intérêts seront distribués sous forme de prix à ceux qui, durant l'année précédente, auront apporté le plus grand bénéfice à l'humanité. Le prix Nobel voit le jour en 1901, soit 5 ans après la mort d'Alfred Nobel. Il donne un prix financier à des personnes exceptionnelles, leur permettant ainsi de continuer leurs travaux. C'est une façon comme une autre de participer à l'amélioration du monde. Souhaite récompenser des personnes s'étant illustrées dans différents domaines. La physique, la chimie, la physiologie et la médecine, la littérature et les personnes ayant œuvré pour la paix. I want one. No. Mais attends, mais utiliser les connaissances et l'argent récolté avant de donner des ans pour faire le bien. Mais c'est comme... Iron Man. Eh oui, les comics ne racontent pas que des conneries. Mais pour encore plus perturber ta pensée inculte qui consiste à râler face à tout ce qui est fun, on va pousser l'analogie encore plus loin. Et pour cela, il nous faut parler d'Howard Stark, le père de Tony. Il est aussi un inventeur, à l'origine d'un des objets les plus emblématiques de Marvel, super cool, même si on a du mal à lui trouver une utilité dans la vie de tous les jours. Le bouclier en vibranium du Captain America. Et ouais, c'est badass. On peut faire le parallèle avec Emmanuel Nobel, le père d'Alfred. Il a trouvé le moyen de produire un matériau très utile, un petit peu moins classe. Le contreplaqué moderne. En parlant d'invention, vous vous souvenez du petit problème de cœur de Tony ? Eh bien, pour se soigner, il va utiliser une version miniature du réacteur ARK créé par son père et qui a fait la fortune de sa famille. Le lien avec Alfred ? Il a souffert toute sa vie d'angine de poitrine, qui est soignée avec de la nitroglycérine. Il en a utilisé pour se soigner ? Non, mais il aurait pu. Donc la comparaison marche pas vraiment. Oui, mais il fallait quand même qu'on souligne la coïncidence. Et c'est pas la seule. En effet, les deux fantasment sur leur secret. En 1876, Bertha von Kinsky est engagée par Alfred Nobel comme secrétaire. Elle reste travailler seulement 2 semaines, mais une grande amitié en est. Tellement grande que certains pensent que Nobel avait le béguin pour cette pacifiste engagée. Même si elle s'est ensuite barrée en Autriche et a épousé un autre gars. La liaison entre Tony et Pepper est connue de tous. Et même si elle aboutit à quelque chose dans le film, dans les comics, la réalité est tout autre, puisque cette dernière va partir avec le chauffeur. C'est peut-être à cause de son côté un peu macho arrogant. Là, tu veux me dire que Nobel était macho? Je sais pas si on peut dire ça. Être opposé au droit de vote pour les femmes, ça compte? Ça devrait faire l'affaire. Quoi qu'il en soit, il avait également une personnalité complexe et était souvent sujet aux dépressions. Cela rappelle les crises du héros. En fait, vous essayez de démontrer qu'un gars comme Tony Stark peut exister. Disons plutôt qu'un type lui ressemblant a vécu et que c'était assez intéressant de le souligner. Si on fait un récapitulatif de la similitude, en fait, on a une intelligence hors du commun, un goût certain pour les explosions, le fait d'être à la tête d'une énorme entreprise, une fortune considérable, la vie dans un monde meilleur, suite à une confrontation avec la mort. Un père, un inventeur de génie, une pathologie cardiaque dont les effets peuvent être atténués par un produit dont il faut le commerce, une romance, mais la secrétaire, une personnalité machiste, quelques épisodes dépressifs dans leur vie, et surtout un nom que tout le monde connaît, même si on ne sait pas vraiment qui ils sont. On a trouvé 11 points communs entre un Américain en armure sorti d'un comics et un Suédois du 19e siècle plus barbu qu'un hipster. Et certaines de ces ressemblances sont assez précises. Alors c'est bon, on t'a convaincu que la personnalité d'Iron Man n'était pas si absurde que ça? Ok, j'avoue, le personnage n'est pas si improbable. On regarde Iron Man 2? Ah, ça t'intéresse toi maintenant de voir le 2? Il y a Scarlett Johansson quand même. Mais savez-vous, un autre super-héros, Spider-Man, est inspiré de faits réels. Un jeune homme s'appelant Peter s'est fait piquer par une araignée. Et c'est tout. Ouais. Mais c'est nul et c'est même pas vrai. Prouve-moi que j'ai tort.